Bonjour Lorient. Eh bien, aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Bon, j'ai un message assez important pour vous. Je vais vous parler des attaques que vous êtes en train de subir. Ok, mais avant ça, je vais demander la présence des ancêtres. Aucune arme façonnée contre vous ne va prospérer. Je viens percer les yeux maléfiques qu'on a envoyés contre vous. Il y a des personnes qui sont venues vers vous en faisant comme si c'était vos amis, en faisant comme si c'était même des clients. Ils étaient des envoyés du diable pour vous déstabiliser. Ils avaient envoyé par le diable pour... Dieu me montre que vous avez même cherché des collaborations. Vous avez cherché, oh, qui va gérer mon magasin? Oh, qui va me montrer là où on achète la marchandise? Et en croyant, en doutant de toi, tu vas tomber sur un envoyé du diable qui va tenir ma main dans ce business. J'ai besoin d'un mentor. Vous n'avez pas besoin de mentor. Vous n'avez pas besoin de mentor. Vous n'avez pas besoin. Ce sont les portes que l'ennemi a utilisées pour avoir accès, pour que vous vous ouvrez à lui. Le succès que vous voyez là-dehors, ce n'est pas la main, ce n'est pas parce que la personne est intelligente. Hein. C'est le Seigneur qui ouvre la porte. C'est le Seigneur qui donne la force. Deutéronome chapitre 8 au verset 18. Remember the Lord. Because it is Him who gives you the power to prosper. C'est Dieu qui te donne la force. Donc l'ennemi a masqué ces personnes-là. J'ai parlé avec quelqu'un hier. Il me racontait les circonstances de la mort de sa mère. Il me dit que les derniers jours de sa mère, elle s'assoit. Elle dit que si je meurs, c'est ma petite soeur. Si je meurs, c'est mon frère. Que si aujourd'hui là je tombe, sache qu'il y a un, elle pointe trois personnes. Ce sont les gens proches d'elle. Les gens que quand tu es resté au salon, dès qu'ils disent que wow, j'ai besoin d'un peu d'argent, bien, elle envoie. Vous êtes à un endroit où vous êtes ciblé par beaucoup de balles. Certains vous rêvez même que vous avez qu'on vous tire dessus. Donc, je suis envoyé pour adresser ça ce matin dans votre vie. Vous savez, la page ici, ce n'est pas ma part. Je ne dis que ce qu'on me dit de dire. Parfois, je planifie les choses. Hein. Je vais se dire que, ok, maintenant, je vais faire comme ça là.
Je me lève dans la nuit, on me dit que pas seulement maître que l'autre aussi. Donc, vous allez prendre la Bible parce que votre bataille va se passer avec la Bible. Le fait que quand je monte les lavages, je monte avec la Bible, ça dérange beaucoup de personnes. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ça vous dérange. Mais je m'en fous. Vous avez suivi, non? Je m'en fous. Beaucoup d'entre vous, on a voulu vous taire. On a voulu fermer votre bouche. On a voulu faire que vous ne parlez pas. Et certains d'entre eux connaissent vos tombes. Ils connaissent qui vous êtes. Peut-être vous êtes jumelles ou jumeaux. Ou bien vous êtes nés par les pieds. Alors les pieds sont arrivés en avant. Certains d'entre vous êtes nés. Il y avait un truc sur vous. Un don. Il y avait un signe sur vous. Ces gens-là étaient à côté de votre mère quand elle accouchait. Et avant même, le fait même qu'ils soient revenus rester à côté de votre mère. Le fait qu'ils soient venus même rester à côté de votre mère, on les avait déjà envoyés même. Elle va bientôt accoucher, l'enfant qui est dans son ventre là. Avant que Jésus ne naisse, on connaissait déjà qui c'était. Je parle parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes persécutés depuis la naissance. Tu sens ça dans ton corps, tu sais. Tu vois ta tante est jalouse de toi. Je dis, mais. Tu m'as porté, j'étais bébé, tu m'as porté. Tu me jalouses encore que quoi? On n'est même pas dans la même génération. Pardon, mettez les likes. Je veux que les marabouts qui font que commenter ici. Écrivez Amen, pardon. Comme ça, je veux que les marabouts qui font que commenter sur ma vidéo. Sauf vous-même qui regardez, vous ne commentez pas. Il fait 2 minutes, 3 marabouts commentent, mon frère, c'est comment? Je sais que ce que j'ai à dire ici, là, ça sera beaucoup attaqué. Donc, ça ne me surprend pas. Certains d'entre eux vous ont fait le genre que vous vous cachez même. Vous vous cachez de votre famille. Parce que chaque fois que vous vous pointez pour cette persécution, persécution, depuis que ta mère est morte ou ton père, depuis que tes parents sont partis, donc, tu les as même fui. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour vous dire ceci. Il combat vos combats. Isaïe 54. Ne croyez pas que votre mère est partie, elle est partie, c'est fini pour vous. Hein? Parce que de là où ils sont là, ils sont en train de former une arme, une barrière autour de vous. Et c'est ce que je suis venu activer ce matin. Il y en a même qui se sont placés sur le cadavre de votre mère. Mentir. Voler les biens de votre mère après. Se mettre sur le cadavre de ton père. Venir témoigner au village. Tu restes. Oui, vraiment. Mon frère, c'était mon tout. Tu regardes comme ça. Ton père, en mourant, avait dit que si je meurs, c'est que c'est l'homme-ci. L'homme là vient par le micro. Au deuil. Ah, ils ont le cœur. Ils ont le cœur. Vos parents m'ont envoyé ce matin vous dire, écoutez, écoutez. Ouvrez votre bouche pour les appeler. Parce que votre bouche a été longtemps fermée. Votre bouche a été longtemps fermée. Voilà les prières que vous allez ajouter.
Quand vous les appelez, y a les exercices que vous devez faire. Brûlez beaucoup d'encens dans votre maison. Je vous ai dit qu'on vend l'encens à Makepe. Peu importe votre ville, cherchez l'encens. Purifiez votre atmosphère. Parce que quand vous vous couchez pour dormir comme ça, là, l'oppression dans la nuit. Tu te réveilles le matin, c'est comme si tu as marché 50 km. Tu es fatigué, les coups battus partout. Le laurier et le clou de girofle, brûlez ça dans votre maison. Vous devez beaucoup purifier l'atmosphère. Le sel avec le jujube. On a un produit là, un kit là qu'on appelle ça, kit pour purification de maison. Quand vous, si vous venez à Makepe pour vous commander, même si vous êtes en Europe, prenez ça. C'est constitué essentiellement de sel avec d'autres produits qu'on a mis. Avant de dormir, tu lances ça dans les coins de la chambre comme ça, ou tu mets autour de ton lit. Dis aucune âme fauchée contre moi ne va prospérer. Donc voilà les passages. Isaïe 54. J'appelle maman Mathieu Gisèle. J'appelle maman Guémier Aurélie. Papa Faudo Chrétien. Papa Faudo Samuel. Maman Faudo Esther. Je déclare que tout ennemi dans ma vie, dans votre vie, est maintenant sous vos pieds. Là où vous êtes là, mettez le pied au sol comme ça, vous écrasez. Tout ennemi qui avait été envoyé contre vous, nous les mettons à terre, nous les écrasons. Isaïe 54. Au verset 17. Aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Je viens maintenant condamner toute langue qui s'est élevée contre vous, contre moi. Bonjour la reine Niembe. Dites, j'active mon héritage divin. Dites cela. J'active mon héritage divin parce que je suis servant, servante de l'Éternel. On va aller au psaume 91. Voilà les passages que vous devez prendre. L'autre jour, je vous ai dit que vous commandez ce qu'on vous avait voulu que ça arrive. Parce que quand vous allez commencer à... Vous écoutez mes enseignements depuis. Ils ont essayé de vous enlever sur ma page fatiguée. Vous êtes toujours là que bien. Ok. Ils vous ont même appelé. Il y a une qui est venue hier. En chemin pour venir, elle dit qu'elle était distraite dans la voiture. Elle a cogné le derrière d'une voiture. Comme la voiture avait une grosse roue derrière, c'est plutôt sa voiture qui était... C'était le bras d'eau. C'est plutôt sa voiture qui s'est fait mal. Quoi. Tellement attaquée. Bonjour, le roi Martial. J'ai dit à la femme là que... Elle me dit, voilà justement, elle me dit qu'il y a une de ses tantes qui l'a vu commenter un jour sur mon direct. Je sais que vous êtes nombreux, vous me regardez, vous ne pouvez pas parler. On vous a attaché les pieds et les mains. Je vous détache aujourd'hui au nom de Jésus. Je vous détache. La mère a l'appel. J'étais vu sur la page de la fille Marabout là. Hein? Donc tu parlais chez Marabout, hein? Hein? Quand vous regardez bien dans votre famille, ces gens-là, ça les dérange parce que ils voient que vous êtes en train de vous éduquer maintenant sur ce qu'ils vous ont fait. Ils ont tué vos parents. Ils ont démuni votre père. Quand vos parents sont morts, ils ont tout pris. Tout. Ton père meurt, tu as 5 ans. Tu es aujourd'hui à 30 ans, tu n'as eu. Donc tu as commencé ta vie sans rien. La mère dit, je suis la fille Marabout là.
Que tu commentes. Hein? Allez checker vos gens qui vous empêchent de venir sur ma page là. Ils visitent. Ils consultent. Ils connaissent tout de vous. Ils connaissent tout de vous. Leurs yeux sont comme ça là. Ils se réveillent le matin. Elle fait quoi? Est-ce que votre maison, vous n'étiez pas protégé? Vous étiez seulement comme ça, élan, élan. On te tue seulement là que tu. Ouais, moi, on ne connaît pas nous ça chez nous. Hein. On ne connaît pas nous ça. Hein. Ils voient que c'est. Ils n'arrivent plus à entrer dans votre maison la nuit. Ton enfant n'a pas dit composer, non. L'enfant n'a pas dit que maman, j'avais mal à la tête, non. N'est-ce pas? Certains d'entre eux savent que si ton enfant devient ingénieur demain, ton enfant va te sortir de la pauvreté. Donc, il s'assure que ton enfant là ne va rien faire à l'école. Mais j'ai dit que c'est la fin. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Ça va s'arrêter. Bonjour, la reine Ongéné. Je vais pas. Je suis à Yaoundé mercredi. Yaoundé, je suis là-bas chez vous mercredi. Yaoundé, j'avais oublié, je suis là-bas mercredi. S'il me permet, je viens chez vous mercredi. J'ai trop abandonné Yaoundé. Oh, vous êtes méchants. Yaoundé, je suis là mercredi. Vous devez absolument appeler le numéro et vous prenez le rendez-vous pour Yaoundé. Parce que je vais vraiment venir juste un flash pour vous, pour faire les lavages s'il y en a. Donc, il y a le numéro de Yaoundé sur la page. Ça commence par 655. Ça finit par 0570. On va aller au psaume 91. Marie, il faut suivre après. Le psaume 91. Jeanne Bafoussam, quand il vient là-bas, Bafoussam, vous ne me payez pas. Bafoussam, si vous payez en avance, j'étais à Bafoussam avant-hier. Mais quand il vient à Bafoussam, il ne le dit même plus. Que quand il va venir te voir, après en partant, il va te donner 2000. Tu me donnes 2000, tu es folle. Elle va venir te raconter tous ses problèmes. Tu te laves avec le sel. Elle ne veut rien faire. Elle veut seulement que tu écoutes ses problèmes. Bafoussam. Je ne viens plus à Bafoussam. Je vous dis même plus que je suis à Bafoussam. Je suis venu à Bafoussam. En un mois, je suis venu même 3 fois à Bafoussam. Mais ne vous dis même plus. C'est comme si elle a un repas avec toi. Elle a un repas avec toi. Contactez les représentants. Hein. Bon, je peux ouvrir avec toi. Je peux venir avec toi vers le 6. 6 juillet. Sous réserve des personnes qui vont préparer les consultations. Monsieur. Monsieur Soleil. Soleil? Soleil? J'ai mon chien ici là. J'ai oublié de vous présenter mon chien. Il s'appelle Soleil. Soleil? Viens. 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 Viens ici. Viens, non. Oh, comment? Tu es un villageois. Tu vas dire bonjour, Jean. Dis bonjour. Dis bonjour. Non, ne me lèche pas au soleil. Et voilà. Voilà, soleil. Soleil. Regarde l'écran là-bas. Soleil à 2 mois. Bonjour, le bébé soleil. Soleil. Il s'appelle Soleil. Soleil aime jouer. Hein, Soleil? Dis bonjour à Soleil, non? Soleil, regarde. Regarde là-bas. Ne me lèche pas, oh my God. Hein? Soleil? Tu fais la tête. Regarde là-bas. Regarde l'écran ici. Il va encore regarder l'écran. Hein?
Ok, va jouer. Oui, le soleil est beau comme moi. Donc, je disais que je serai à Yaoundé mercredi. Par la grâce de Dieu pour Yaoundé, moi je confirme. Soleil. Donc nous allons, je continue en disant ceci. Contactez le numéro de Yaoundé, vous prenez déjà rendez-vous. Je suis à Douala. Quand Nanou me demande que Douala c'est quand? Je suis à Douala. Je vis à Douala. Donc, on va prendre le son 91. Soleil. Soleil, viens. On va lire le son ensemble. Donc, on va prendre le son 91, non. Deuxième arme que je vous donne. Voilà, verset 13. La femme, ça arrive. Tu dis que mon enfant arrive là-bas au Congo. Hein? Toi là. Vous voyez, il y a Gaïus là par ici. On va aller au verset 13. Viens. 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 Bon, nous allons lire. Je lis en anglais. Ceux qui ont la version française, vous pouvez prendre. Vous allez piétiner le lion et le cobra. La version anglaise dit ceci. On va faire deux fois, ok? Vous allez piétiner le lion et le cobra. Tiens, trop joué. Ok? Vous allez piétiner encore le grand lion et le serpent. Donc, quand vous allez faire votre bain ce matin, vous allez dire que par ce bain, je piétine tout serpent, tout cobra, tout lion dans ma vie, au nom de Jésus. Vous suivez, non? Donc, vous allez prendre le psaume 32. Quand tu mets la vidéo, les gens fuient pour aller dire. On repart dans le psaume 35. On va prendre le verset 4. Prenons d'abord le verset 2. Je prends l'armure et je me lève, je brandis le javelot contre ceux qui me poursuivent. Toute personne qui s'est liguée contre moi, tous ceux qui en veulent à ma vie. Vous prenez maintenant le verset 4. Je déclare, on va dire en anglais, moi j'ai la version anglaise. May those who seek my life be disgraced and put to shame. May those who plot my ruin be turned back in dismay.
Psaume 35, 37, pardon. Verset 15. Ça, c'est pour faire le back to sender. Je vous donne les passages. Pour retourner à l'envoyeur. En anglais, c'est But their sword will pierce their own heart. Leurs flèches vont percer leur propre cœur. Toute personne qui s'est levée contre moi, je déclare que ses propres flèches vont percer son propre cœur. Toute malédiction envoyée contre moi et mes enfants, je retourne ça sur les enfants de cette personne-là, au nom de Jésus. Vous prenez le verset 15, après vous prenez le verset 17. For the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. Je viens briser le pouvoir du méchant sur ma vie. Je le déclare sur vous d'ailleurs. Que toute personne qui s'est levée contre vous, qui a lancé des armes contre vous, je retourne maintenant, je commande aux anges de retourner leurs armes contre ces personnes, au nom puissant de Jésus. Bonjour Yami. Bonjour. Monsieur, rejoignez-moi. Bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour, bonjour. Aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Ils vont se lever, mais ils vont encore tomber. Ils vont lancer les armes, ça va repartir contre eux. Oui, je fais des consultations en ligne, Choco. Si tu m'écoutes, commence à te laver avec le sel. Parce que les gens qui ont les mauvaises ondes, même si tu as payé la consultation, on n'arrive pas à se parler. Donc commence à te laver avec le sel. Bonjour à mes ennemis, j'ai oublié de dire bonjour à mes ennemis. Excusez-moi une minute. Bonjour mes Decepticons. Comment ça va? Bonjour. Oulolo. Dis bonjour aux ennemis. Bonjour. Bonjour les petits ennemis. Allez, tape là. S'appelle Soleil. 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 Voilà. Soleil dit bye. Soleil. Après, regardez la caméra, non, c'est comment? Tu es une star. Mais regarde là-bas. Voilà. Soleil est envoyé dans ma vie par les ancêtres. Le matin du jour où je vais avoir soleil, on me montre soleil dans le verre. On me montre là où il est. À 9h, la personne qui a soleil me dit que tu veux encore le chien. Et dans mon rêve, on m'avait dit la personne qui devait me donner. Et c'est comme ça que 4 heures de temps plus tard, soleil était là. Ok. Bon, soleil, va jouer. Faut que je travaille. Choconounours. Bonjour Yami, Soleil te dit bonjour. Choconounours, le numéro c'est en haut là-bas, 00237 693 50 22 66.
Monsieur, tu manges quoi là-bas? Qu'est-ce que tu manges? Tu as plus de probabilité de tomber sur moi, sur ce numéro. Ou bien sur ma secrétaire qui va. Ma secrétaire un peu plus personnelle. Ok. Je vous ai donné les passages. Ajoutez à ça le verset 34. Demandez à Dieu de vous montrer quand il détruit vos ennemis. Voilà ce que la Bible dit. When the wicked are destroyed, you will see it. Seigneur, tous ceux qui m'ont persécuté, que je voyais comment ils descendent aux enfers. Il y a les prières que vous avez peur de demander à Dieu. Il y a des choses que vous avez peur de demander. Hier, la dame là, quand elle est venue, elle me parlait, on se parlait après. Elle me dit qu'elle a suivi le jour là où je disais que ceux qui vous doivent de l'argent, les bêtes. Elle me dit comment, quand son père est décédé, on a pris tout ce que son père avait. La soeur de ton père prend la maison de ton père. Après, lègue ça à ses enfants. Donc, toi, l'enfant de ton père, tu n'as droit à rien venant de ton père. Parce que quand ton père est mort, tu étais petit. Je lui dis, ma chérie, il y a les gens que quand Dieu restaure, hein, ce n'est pas forcément la maison là qu'on te donne. Tu tombes sur un business comme ça là. 100 millions en 2 mois. Voilà la restauration financière. Je prophétise sur vous que tout héritage qu'on vous a volé, que ce soit les dons spirituels, que ce soit physique, financier, que ce soit même ton mariage qu'on a gâté, je déclare que cela vous est restauré 100 fois plus en ce mois de juin, avant que ça ne se finisse au nom puissant de Jésus. Il y a le lavage le premier. Le lavage du début du mois. Ne blaguez pas avec. Écoutez, ne blaguez pas. Voilà, il y a 6 mois qui sont passés. Vous devez tout recouvrir. Comment dire recouvrir là? Vous devez tout restaurer. Vous êtes en mode suivi. Tu suivis pourquoi? La polygamie est venue faire. On a pris tout ce que ton père avait. Polygamie. Ou bien ton père t'avait eu dehors. Quand il est mort, tu étais trop petit. Donc la femme de Dieu n'avait jamais eu de la parole. Ce qui fait que tous ceux qui sont intégrés ont tout pris. Même te donner même un peu comme ça, là, que prends même les miettes de pain qui tombent de la table, on ne t'a rien donné. Donnez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Vous ne devez pas les que vous quittez le monde direct. Je dois vous enseigner ça parce que beaucoup d'entre vous, vous croyez que l'Esprit de Dieu veut que vous soyez faible. C'est Dieu qui va me justifier. C'est Dieu mon vengeur. Il va vous voir un jour. Dieu ne peut pas agir tant que ça ne sort pas de la bouche d'un être humain. Et l'être humain, là, tue ta vie maintenant, ce sera toi. Au nom de Jésus, c'est ce que je déclare. Et je scelle ça, je confirme ça. C'est dit que. L'affaire que tu faisais avant, là, on vient, on te démunit, on prend. Ton mariage commence. J'ai lavé une fille hier. Ouais, Seigneur. Elle achète des produits à distance. Elle dit, livrez-moi. J'ai dit, mais tu vis où? Je me rends compte que je suis à Makepe, lycée. Elle est à Makepe, Copacabana. Il dit, mais ma chérie, tu n'es même pas à 200 francs de l'endroit. Viens, c'est là, te laver. Elle arrive. Et il y en a, ce que je vais dire d'elle, là, ça c'est quelque chose qu'on fait à beaucoup de personnes. Esprit de rejet. Je la vois, elle est belle. Une petite fille, hein. 22 ans, 20, 22, 23 ans. À la lavage, je faisais que voir. Elle devait, comme si elle devait voyager. Et puis on a coupé. Comme si on a pris son mariage. Comme si elle devait se marier. Et puis on a pris son mariage. Et qu'elle devait se marier avec quelqu'un qui est en Europe. Donc en priant, j'ai dit, je restaure. J'appelle ton mariage. Elle dit, non, je suis mariée. Il dit, hein? Elle dit, oui.
Mais pourquoi je vois alors le rejet marital? Elle dit, depuis 2 ans qu'on est mariés, c'est à peine si l'homme-là m'appelle. Tout allait bien entre eux. Il est venu de me l'épouser. Les sceptiques l'ont vu, non? Ils ont dit, okay, on va alors voir comment le mariage là va se faire. Elle dit qu'elle reste sur ça des semaines, il n'appelle pas. Quand il vient même ici, là, parfois il ne vient pas. C'est là qu'elle apprend qu'il était là. C'est là qu'on lui dit, ah, ton mari était là. Vous voyez un peu le degré de gâter, ou c'est de comment on gâte les gens. Écrivez, vous dites que c'est la fin. Écrivez que c'est la fin aujourd'hui. Tu es là, comme ça, ta fille, elle a les opportunités. Après, ça disparaît. Tu dis, oui, je vais prendre ta fille, je vais l'amener au Canada. Voilà, peut-être c'est même une de tes tantes ou de tes soeurs. Comme ça, après, elle oublie. Comme ça, bêtement. Écoutez, tous les vols d'étoiles qu'on fait sur vous, là, je déclare que c'est la fin aujourd'hui. J'enlève la timidité sur vous, au nom de Jésus. J'ai donné beaucoup de lavage à faire. Ils sont là pour vous épier, non? Pour entendre ce que vous dites. Les souris, là. Ils ont menti. Comme ma voix résonne dans votre maison, là. Ne vous inquiétez pas, ils me connaissent. On se connaît. Ils vont sortir de votre vie un à un. Un à un. Un à un. Comme une maison dans laquelle on a lancé le lac de gaz et lacrymogène. La Bible dit dans le psaume 37, verset 40, The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them because they take refuge in him. Vous devez dire, Seigneur, je fais de toi mon refuge aujourd'hui. Seigneur, tu es mon père, Seigneur, tu es ma mère. Délivre-moi de toute maladie, Seigneur. Délivre-moi de toute timidité, Seigneur. Je viens reprendre ma puissance verbale devant tout oppresseur. Au nom de Jésus. Vous savez, il me montre qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez des idées de business. Tu es arrivé quelque part au salaire, tu as vu. Tu te dis, waouh, je veux faire le business ici. Maman, la semaine, la 5 personnes ont te dit que le business ne marche pas dans le coin là. Ah, tu sais, non, tu sais, ça n'est vraiment. 5 personnes au moins vont te dire que ça ne marche pas là-bas. Je viens vous restaurer au nom de Jésus. Tes idées que Dieu t'avait données là, je les replante. L'énergie qui t'avait été volée. Tu allais dire pour la. J'ai un de mes petits là qui me dit hier que. Quand il a passé le bac, on lui a parlé d'une opportunité où il devait faire un concours pour aller au Maroc, pour faire ingénierie. Il a dit à sa grand-mère que, voilà, grand-mère, je veux faire tel concours. La grand-mère dit, ah oui, elle donne l'argent que va prendre 20 000, va faire. Et on devait prendre les 20 premiers. Le soir là, quand il disait, ça t'en dit qu'on entend. Pas fait quoi là-bas? Non, tu les noies là-bas. Non, 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 non. Elle a pompé la grammaire. Comme il vous dit que vos tantes et vos oncles sont jaloux de vous là. Mais écoutez, hein, ils ne peuvent rien. Pomper la grammaire la nuit. Que, oh non, regarde comment tu les noies là-bas. Hey, regarde comment les gens souffrent là-bas. Alors que ce sont les beaux ailleurs. Ce sont les gens qui partent étudier qui souffrent. Le matin, la grammaire dit que je veux plus que tu partes, tu fasses le concours. Il faut quand même y pas faire. Ils sont parmi les 20 premiers qu'on attendait pour sélectionner pour la bourse. La grand-mère dit, je ne veux même plus entendre parler. Voilà, tu vois comment ton opportunité vient. Quelqu'un vient écraser. Seulement parce que la personne ne veut pas voir que demain tu deviens ingénieur. Tu viens, tu rentres au pays, tu conduis les grosses maisons. Et sa soeur, qui est ta mère,
Tu la mets à l'aise. Non. Écoutez-moi bien. Je déclare la fin. Je déclare que c'est la fin des attaques qui ont été faites sur votre vie au nom de Jésus. Certains viennent lancer la maladie sur toi. Vous voulez voir Monsieur Soleil? Il est couché à côté de moi, il dort. Attendez, je vais vous le montrer. Vous voyez? Il a fini de ranger les choses ici. Soleil, on te fait plus de cœur que moi. Est-ce que c'est normal? Soleil. 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 Le Seigneur m'a demandé de te dire que l'idée que tu avais eue, c'est lui qui t'a parlé. Ne te fie pas à ce que les gens disent. Oh, dans le pays, là-bas, on tue les gens. Oh, là-bas, on pratique beaucoup. Dis-leur que toi-même, tu es devenue pratiquante. Que tu pratiques aussi. Oh, ça ne va pas marcher. Wow, dis que toi-même tu pratiques maintenant. À des pratiquer. Écrivez ici à des pratiquer. Je demande la lucidité sur votre esprit. La lucidité. Je déclare que vous ne serez plus intimidé. On ne va plus vous intimider. Je déclare qu'on ne va plus venir prendre vos idées de votre tête. Choco nous a pratiqué. On ne va plus. C'est comme ça qu'ils volent vos choses, non? Écoutez, vous ne connaissez pas le bulldozer qu'il y a dans vous. Vous êtes une force ambulante. Et ils connaissent votre pouvoir. Ils savent que si la fille la connaît qui elle est, si elle connaît que si elle parle, elle lance un business, que tout ce, si elle connaît que tout ce qu'elle fait va marcher. Mais on est fini dans la famille ici. On est fini. Elle va devenir milliardaire en 6 mois. On va seulement parler qu'à ses secrétaires et ses chauffeurs. J'ai écouté, je prophétise sur vous. Je prophétise sur vous. Je vous donne 6 mois pour avoir la restauration de ce qui vous a été volé par vos décepticons et votre famille au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans maximum 3 mois, votre photo sera sur les tableaux de publicité dans votre ville, même dans le monde entier. Que vous n'allez plus marcher dans la rue comme ça, là, on va tout vous reconnaître. Que maman, merci. Hey, maman, j'écoute tes vidéos tout le temps. Quand je sors, je ne mets pas mon masque, je ne mets pas les lunettes de soleil. Mince. Même au Gabon, je marche au Gabon, même au Côte d'Ivoire. Je marche dans la rue. Et hey, tous les gens qui. Hey, je cite tes vidéos. Écoutez. J'ouvre votre étoile. J'active votre célébrité. Vous savez qu'il y a même le kit de célébrité, non? Je vous ai dit qu'il y a même le kit de célébrité. Tout
document que vous attendez pour pouvoir commencer vos choses. Je vous libère ce document-là dans ce mois de juillet, d'ici le 15 juillet. Je vous enlève de tout trou collectif dans lequel on vous a mis. On vous a abandonné, on vous a jeté là-bas. Ah, les gens, les enfants de la femme, là, ils ne vont rien faire. Pouh, pardon. Chantal, fais le lavage à distance. Et c'est parce que vous voulez qu'ils vous disent. Parfois, vous savez que vous avez les documents, vous devez demander le visa. Vous ne faites rien. Vous aussi là comme ça. Vous pensez que ce qui a sur votre vie, ça fait même 12 ans que tu es en train d'attendre les papiers. Comme vous aussi, simpleton là. Parce que vous avez peur que on vous voit sur ma page. Ayez toujours peur. Vous allez avoir peur jusqu'à aller mourir avec la peur là. Vous n'avez pas déjà compris que ces gens pouvaient vous tuer ceux qui vous ont tué. Hmm? Arrêtez d'avoir peur d'eux. Ils ne peuvent rien. Le seul truc, c'est qu'ils ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes. C'est tout. Hier, il y a une dame qui vient acheter un kit. Je lui dis que... On lui donne un truc avec les coris. Elle dit que non, on ne lui a pas mis les coris sur elle. Il dit, qui t'a dit? Il savait que la personne, c'est sa propre tanticone. Il dit, mais ma chérie, tu ne te rends pas compte. Tu sais que quelqu'un depuis ta naissance, quelqu'un, la personne ne t'aime pas. La personne a tout volé des chances. Tu crois que quelqu'un va te dire de ne pas mettre quelque chose sur toi. Tu sais encore bien ce qu'elle t'a dit. Certains ont vu que si tu mets ça sur toi, ça va activer ton pouvoir. Ils vont venir te décourager. Te fais peur. Te fais peur. Mes goûts changeaient. Je bois le smoothie. Si tu me demandais, si ça fait 2 semaines, j'allais te dire que je bois le Sheridan. Je me suis rendu compte que même le dessert dit qu'on ne peut pas t'offrir la boisson. Il offre la boisson pour t'amadouer, pour te tromper. Ton mercredi, je suis à Yaoundé. Réservez les consultations pour Yaoundé. Certains ont venu te faire peur. Dans le quartier où tu vas aller construire ta maison, là, il y a les sorciers là-bas. Parce qu'on sait que si tu ne pas construire, on ne veut pas que tu construises ta part de maison. Bonjour la reine Olga. Et pas n'importe qui qu'on écoute. Avant que tu n'écoutes quelqu'un, la personne doit faire ses preuves dans ta vie. Certains sont les démons qui viennent vers vous. Sous la forme de vos soeurs, de vos oncles. Et la jalousie, c'est un motif de beaucoup de choses. Parce qu'on ne veut pas que ton enfant parte en bête. On sait que si l'enfant n'a pas en Europe, c'est fini. Seulement le fait que tu peux accompagner ton enfant à l'aéroport, ça ronge derrière les gens. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Hein? Jesus. Ton enfant part en Europe, 1 an plus tard, on te tue. Tu ne dois pas manger l'argent de l'enfant là. Vous avez trop dormi. Hein? Tu construis la maison, tu vas entrer dedans, on te tue. Je vous ai
t'ai parlé de la dame là, non, l'autre jour, là, elle a fait le lavage. Elle est venue le premier pour faire le lavage. J'ai donné les instructions que quand tu arrives à la maison, prends l'eau, tu pries sur ça. Tu verses au centre de ta maison. Elle rêve dans la nuit. Comment elle a été, elle dit qu'elle est en train de nettoyer son salon, elle-même le jour là, dans le rêve. Après, elle voit les chaises du village dans son salon. Elle dit, mais ça fait quoi ici? Elle veut soulever une chaise pour nettoyer. Elle voit, c'est un animal qui s'élève. L'animal fuit. Elle dit, qui a mis ça chez moi? On dit, c'est ta meilleure amie. Ta propre meilleure amie. Hein? Ta propre meilleure amie. Bonjour, la reine de Dieu, quoi. Deuxième animal, elle voit, c'est la chèvre. Encore, c'est qui a mis ça ici? C'est ma Cécile, là, non? C'est ma Jackie ou bien ma, je prends comme ça au hasard. Ton ami qui était chez toi chaque jour. Et avant qu'elle ne fasse ce rêve-là et qu'elle ne fasse son lavage, ça avait été une semaine que elle et sa, la mère, ça ne marchait plus, c'était le feu. Meilleurs amis que tous les réunions, vous étiez ensemble. Il y en a même que si elle pouvait, c'est que ton mari te dit souvent que fais attention à ta copine là. Parce qu'il sait qu'elle est passée par derrière pour le draguer. Et vous dites-moi, c'est ça que vous n'aimez pas qu'on vous dise les vérités. Bonjour la reine Becky. Bonjour la reine Sandrine. Ange, tu dois faire, il y a les rites au village que tu dois faire. Ce n'est pas l'esprit de retrograde seulement. J'ai monté un rituel hier à faire avec la cendre. Quand vous n'avez pas fait ce qu'on vous dit de faire là, vous voulez quoi? Il faut acheter le kit fondation, tu fais. Le kit fondation aide beaucoup contre les esprits de rétrograde, l'influence de votre famille sur vous. Le kit de fondation aide pour ça. Le kit de déblocage, c'est si tu as une situation particulière. Le kit de déblocage plus, c'est si tu es les gens qui sont en sorcellerie, envoûtés, les gens qui ont trop de tout dans leur corps, problème dans le corps là. Ou bien tu as une situation que ça fait longtemps, vraiment 20 ans, 15 ans. L'autre là, c'est déblocage plus. Il y a des produits dedans pour mettre, enlever les mauvais esprits dans ta maison, pour te désenvoûter toi-même, enlever les trucs dans ton corps, dans ton ventre. Ça, c'est le kit de déblocage plus. De fondation, ça aide pour enlever les malédictions générationnelles. Bonjour la reine Clémence avec les cœurs. Bonjour. Mais qui je suis douce comme ça parce que je suis amoureuse. Quand je suis amoureuse, c'est comme ça. J'ai la joie au cœur. Ceux qui sont à Douala là, est-ce qu'il est en train de pleuvoir? Parce que Douala les phases, Douala les pluies, que ça vient qu'à 7 h. Le kit fondation, c'est 55 000 au Cameroun. Au Gabon, c'est 70 000. Côte d'Ivoire, 70 000. J'ai amoureuse, moi. Donc, les lavages, quand vous les commandez, bonjour la reine Mireille, les lavages, c'est pour débloquer, peut-être il y a une situation sur votre... Vous êtes bloqué avec vos papiers. Le kit fondation, c'est 55 000. En Europe, c'est différent. Si tu payes à 55 000, tu dois payer l'envoi. Donc, ça va te revenir peut-être dans les 80 000. Alors que tu payes en Europe, c'est à peu près la même chose, je pense. Donc, il y a les numéros des représentants sur le direct.
Michel, j'ai moins 10 parce que je suis au quatrième étage. Donc, je vois maintenant, il pleut, c'est vrai. Un jour, je faisais le direct. Ma voisine du Gabon me voit là, elle dit, ah, je te reconnais. Je te reconnais, je suis dans l'immeuble d'à côté. Prends le numéro 693 50 22 66. Deuxième numéro 00237 680 71 07 01. Donc moi quand je vois la pluie ne m'empêche jamais de faire quelque chose. J'ai les époques où je n'étais pas véhiculé. Il pleut, je mets mes bottes. Parfois, il met les chakas. Je sors, moi. La pluie, ce n'est qu'un détail. La pluie fait son travail. Pourquoi la pluie doit t'empêcher de faire ton travail? Un jour, j'avais rendez-vous avec un homme quelque part là. Il pleuvait le matin là. Il me voit me pointer. J'étais mouillé jusqu'aux os. Il est choqué. Il dit que comment tu viens? Erika! Pardon, ouvre la porte. Il est choqué. C'est l'une de mes ménagères qui est déjà venue là. J'ai déjà grondé que quand il pleut, ne me dites pas qu'il pleuvait. Bon, il est 7h35, c'est normal. Je dis, monsieur, quand je donne ma parole, il pleut, il neige. Je pars. Donc soyez comme ça. Vous allez voir que les circonstances vont toujours vouloir vous décourager. Et je fais ce direct pour encourager parce que je sais que c'est quand vous allez commencer à faire les kits que vous allez confirmer le code. Tu prends un kit comme ça, tu fais les premiers jours, c'est bien. Après, c'est comme si tout te tombe sur la tête. Tout tombe sur toi. Oui. C'est la riposte qui arrive. Mais la riposte ne tue pas. Parce que de tous là, ils savent que elle a touché le cœur. Elle a touché. Quand vous allez commander les lavages, il y a les lavages de fondation. Il fait différents lavages. Lavage de fondation. Lavage de déblocage. Lavage d'attirance. Lavage de restauration d'étoiles. Il y a le lavage pour les ouvertures de business. En fonction de comment tu sens dans ton corps. Voilà. Si tu as 40 ans de travail spirituel que tu n'as pas fait, ce n'est pas en un mois ou en un lavage que tu vas lever tout ça. C'est que souvent c'est comme ça que vous faites la paresse. Ouais, j'ai déjà fait, non. Certains d'entre vous devez travailler beaucoup sur vos enfants. Voilà, la reine Azebot, tu allais acheter le kit déblocage plus plus, oui. Il y a le miel de commandement dedans. Tu mets pour fortifier ta bouche. Il y a les encens que tu brûles à la maison. Il y a même l'autre ensemble, quand tu finis de te laver, tu mets ça, tu te couvres avec. Il y a les choses, il y a les trucs qui mettent dans vos poumons. Souvent, tu mets ça, tu mets l'ensemble, tu as la glaise, m'en sort. Il y a d'autres personnes qui boivent le truc qu'il y a dedans. Ils vomissent seulement. Ok. La joie du Seigneur est votre force. Vous avez suivi, non? Ok, voilà quelqu'un d'Allemagne qui est en train de m'écrire. Je vais te répondre à l'instant. Je vais faire quelques consultations ce matin en ligne. Je crois que j'ai peut-être trois consultations que je dois prendre ce matin. Parce qu'il y a des jours où ils ne me permettent pas de consulter. Je fais n'importe comment, ils ne me permettent pas. Donc. Mais je pense aujourd'hui, là, je vais faire quelques consultations. On a lavage tout à l'heure, à midi. Je suis à Yaoundé mercredi. Et le premier, il y a lavage encore. Je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour.
Je vous envoie de l'amour. Michel, écris-moi. Je ne sais pas si on s'est déjà parlé. Et puis, je devais te consulter. Je ne l'ai pas fait. Envoie le message. Ceux qui vont écrire, on va dire dans les 20 minutes, sur le 693 50 22 66. 00237 693 22 66. Soit vous écrivez même aux représentantes, elles me contactent immédiatement. Vous avez à payer, vous faites une capture, photo de la capture d'écran. Si vous n'avez pas encore payé, vous devez faire paiement par PayPal ou par Orange. Donc ceux qui sont à Douala, vous venez à Maquette, il y aura lavage aujourd'hui. Il y a lavage aujourd'hui. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous venez. Je vous bénis. J'enlève tout voile de lourdeur, tout voile de laideur sur vous. J'ouvre vos oreilles pour que vous entendiez quand l'esprit vous parle. Je restaure vos finances. Je restaure votre puissance. J'enlève la paresse sur vous. Aujourd'hui, là, vous vous levez. Vous repostez les photos des produits que vous vendez. Vous appelez vos clients. J'enlève la peur qu'il y avait dans votre cœur d'appeler vos clients. Bonjour, bonjour, monsieur, c'est comment? Oui. Je remets la vigueur dans vous. Vous revoyez votre business commence en train de marcher au nom puissant de Jésus. Je vous charge ce matin au nom puissant de Jésus. Je vous charge à nouveau. Je remets votre force. Vous relancez votre business. Vous imprimez les flyers, vous distribuez dans le quartier. Vous relancez vos publicités que vous faisiez sur Facebook au nom de Jésus. Vous refaites vos directs. Lancez-moi un direct ce matin. Au nom de Jésus. J'ouvre votre activité à nouveau. Yes. Je vous ai dit que je recrute des vendeuses. Si tu n'as rien à faire, viens que je t'envoie, tu peux vendre mes produits. Oui. J'ai besoin de vendeuses à Douala et à Yaoundé. Mais si tu es paresseuse, tu ne vas pas passer mes tests. Parce que ceux qui ont bossé avec moi, vous savez que je suis très, très, très exigeante. Je vous refortifie ce matin. Là où votre cœur était tombé dans le ventre, là, je le remets en place. Et de cas que vous n'avez plus peur. Je dis, quand vous prenez le téléphone, vous appelez les clients, les gens, oh, bonjour, tata. C'est comment, tata? Tu as, ah oui, je pensais à toi, mais je vais oublier de t'appeler. Oui, envoie-moi la marchandise de 200 000 euros. Oui, je veux ça, ça, ça. Je relance vos activités ce matin. Voilà. Numéro de téléphone 00237. 6 93 50 22 66. 6 93 50 22 66. Dites le chiffre d'affaires que vous voulez faire dans les 3 jours qui arrivent. Les 3 jours, si là vous voulez faire combien? Je déclare que vous recevez les idées. Et quand ça tombe dans votre tête comme ça, là, vous vous levez, vous partez faire. J'enlève la paresse de votre corps au nom de Jésus. J'enlève la paresse. Je vous secoue. Je vous sors des sables mouvants dans lesquels vous avez mis. Le sable mouvant veut t'immobiliser parce que quand tu bouges, tu as l'impression que tu fais un truc, ton argent part. Tu fais ça part. Après maintenant, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils te donnent l'impression du sable mouvant. Ce qui fait que tu restes comme ça. Je vous sors de toute immobilisation spirituelle. Satan, je te commande de relâcher les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont avec les pères spirituels qui vous dominent carrément. Tu n'as le droit de rien faire. Il t'interdit même de faire des publications. Il dit, wow, wow, wow. Tu as les idées, tu veux t'exprimer. Non, mon père spirituel ne veut pas que... Je vous libère de l'emprise de ces faux pères spirituels au nom de Jésus-Christ. I put boldness in you. Je mets le courage en vous au nom puissant de Jésus. I release your boldness in the name of Jesus. Je
commande à l'argent de venir vers vous. J'enlève la peur. Votre corps reçoit l'argent. Votre esprit reçoit l'argent. Vos pensées reçoivent l'argent. Je remets les images de prospérité dans vous. Les images de prospérité dans vous. Les images de prospérité dans vous. Les images de prospérité dans vous au nom de Jésus. Toutes les écailles qu'on avait mis pour vous couvrir les yeux. Actes chapitre 9. Je commande à ces écailles de tomber au nom puissant de Jésus. Vous allez prendre de l'eau aujourd'hui, une bouteille d'eau. Vous allez ouvrir, vous allez lire le psaume 35 et le psaume 37 totalement. Et vous allez dire, Seigneur, toute personne qui a pris mon argent, comme la personne va boire l'eau aujourd'hui pour vivre, et que même si la personne est à mort, on l'a mis dans la terre, il est retourné poussière. Comme je prends l'eau si je bois et je verse l'eau aussi sur la terre, comme l'eau la touche la terre, tout mon argent qu'on avait parlé, on a versé les choses sur le sol. Je restaure cet argent maintenant. J'ouvre mes propres portes. Après l'eau là, vous partez verser ça. Vous mettez un peu dans l'eau pour laver votre sol de business avec. Vous versez dans les coins de votre maison. Et vous dites que toute boule maléfique qu'on a lancée dans votre maison, vous commandez maintenant. Vous ouvrez les fenêtres en faisant en prière si elle. Je commande à tout homme fort qui est envoyé dans cette maison de sortir. Tout animal mystique qui est caché dans ma maison, qui se lève que quand je dors. Par le feu du Saint-Esprit, je te commande de brûler. Vous lancez, vous versez ça au centre de votre maison. Vous tenez les quatre coins de chaque pièce. Vous dites au nom de Jésus-Christ et au nom de la reine Jocelyne qui m'a envoyé faire ceci. Je commande à toute entité maléfique de sortir de ma maison aujourd'hui. Vous ouvrez les fenêtres pendant 5 minutes. Écoutez, quand moi je donne mes instructions, je donne ça sous instruction divine. C'est que souvent, quand vous me voyez en route, je passe hier. Parce que là, hier, je suis rentré à pied avec deux de mes fils. Je passe devant le salon de coiffure. Comme ma voix, quand, ceux qui m'ont rencontré physiquement, quand ils parlent, moi, si tu me vois même n'importe où, je vais parler que comme ils parlent là. Je suis comme je suis là. Seulement quand on me dit que je suis un peu plus belle, que je suis plus belle physiquement, quand on me voit que sur l'écran, ok. Je parlais, la femme là, j'entends dans le salon de coiffure. Reine Jocelyne! Je dis que c'est qui comme ça là? Elle dit, on laisse ses cheveux sortir. Mais la femme n'avait pas assez de persévérance pour venir me voir. Elle est sortie, elle m'a guettée. Et puis elle est repartie s'asseoir pour se coiffer. Tu peux me rencontrer comme ça que c'est ton jour. J'étais en train de rentrer une fois. Je suis arrêté à Bounamoussa, je n'ai pas pour acheter le maïs. J'ai demandé à la femme, c'est combien? Et j'ai entendu payer. Elle dit bonjour, ma reine. Dès qu'elle a dit ma reine, là, je dis. Elle peut dire que je te suis. Quand vous me voyez, prenez votre bénédiction quand vous me voyez là. Parce que ce n'est pas le hasard. Il y a des gens qui payent, ils n'arrivent pas à me voir. Il y a des gens qui sont en Europe qui veulent me voir depuis. Donc si elle tombe devant toi, ce n'est pas le hasard. C'est que c'est ton jour là-bas. J'arrive une fois, j'étais en train de faire mes courses à Libreville. J'étais dans un magasin qui vend les meubles. J'entre. J'étais en train de parler avec mes collaborateurs. Je lui montrais les meubles que je veux. Reine Jocelyne, elle s'arrête de m'attendre. Je l'ignore, je passe. Je continue à regarder les meubles que je veux. Je vous suis sur Facebook. Elle reste toujours là où elle est. Je dis que vraiment, vous ne connaissez pas. Quand les gens voyaient Jésus, que Seigneur, Seigneur, donne ma part. I will not let you go until you bless me. Quand Jacob a rencontré l'ange, Jacob a dit que je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Il y en a, vous êtes dans la même ville que moi. Il y en a, vous êtes à Makepe. Votre maison est à deux maisons de chez moi. Vous me suivez chaque jour. Suivez-moi toujours, vous avez compris. Suivez-moi toujours. J'ai les gens qui prennent le billet d'avion et qui de Paris. Ils viennent ici, font deux jours chez moi. Ils rentrent à Paris. Tu es à Makepe, dans le même quartier que moi. Écoutez, vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas sortir de votre trou. Restez dans votre trou, vous avez compris. Restez là-bas, restez. Voilà. Ok. Il y en a qui vont savoir que vous me suivez, on va même vous décourager. La femme là. Et ne pensez pas que c'est parce que vous avez m'écrit qu'il va forcément vous répondre.
Il y en a quand tu écris comme ça là, l'esprit dit que ne lui réponds pas. Tu vas m'écrire même 3 semaines. Un matin, il me lève, on dit ok, va maintenant parler à la fille là. Voilà. Vous êtes facilement décourageable. On vous décourage comme ça. Tu dis donne-moi, on dit je ne donne pas. Tu dis ok. Tu connais même ce que tu veux. Tu fais une prière, tu achètes un kit. Moi, j'ai déjà fait tout ce qu'elle dit là. Tu ne veux pas avancer. On est parti te bloquer pendant 15 ans. Tu crois que tu vas venir en une journée? Quand Élie partait, il a dit à Élisée que si tu me vois quand je pars, la l'onction que tu as demandé là, tu auras ça. L'onction là, tu auras ça. Toute la journée là, on dit que ton maître part. Est-ce que tu sais, il dit que je sais, laissez-moi. C'est quoi votre problème dedans? Partout, même aux toilettes, quand Élie partait, Élisée était au temps. Tu as fini de chier. Le deuxième caca est tombé. Soudainement, ils étaient en train de marcher. Un chariot de feu apparaît entre les deux hommes. Bam! My father, my father! Son manteau tombe. Bam! Il prend le manteau, il lance sur lui. Jésus était grand, plus grand que Jean-Baptiste. Mais c'est Jean-Baptiste qui a dû laver Jésus. Il a fait son lavage avec l'oiseau blanc. Si ce n'est la poule blanche. Ça a ouvert les portes de Jésus. Parfois, malheureusement, pour vous, vous croyez, vous êtes trop arrogant spirituellement. Trop. Trop arrogant spirituellement. La petite fille là, qu'est-ce qu'elle va me... Petite fille là. La petite fille là. Ne vous inquiétez pas. Petite mais équipée. Petite mais appelée. Petite mais protégée. Petite mais ouin. Ce n'est même pas moi qui vais vous parler de mon onction. Pas moi. Je sais pas pourquoi. C'est pas moi qui vais vous parler. Il y en a parmi vous, il y a des esprits générationnels qui viennent de vos grands-pères. C'est sur vous comme ça là. Donc tu as tapé, tu es comme ça là. Tu as déjà tout fait. Je vous dis que je suis là pour vous libérer. Et je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Bon, je déclare qu'aucune âme forgée contre vous ne va prospérer. Toute langue forgée contre vous sera sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous fortifie. J'ouvre vos portes aujourd'hui. Passez une très bonne journée. Namasté. Trois fois. Oui, mais vous êtes dans de l'eau. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace.